Alors, un notaire et secrétaire du roi avait une fonction administrative. Il était là pour rédiger certains documents, surtout pour signer certains documents, contresigner également. Il se chargeait de tout l'aspect rédactionnel de l'administration royale. Ils supervisent les tâches d'écriture à la chancellerie, mais ils ont des petites mains qui travaillent pour eux, qui sont des scribes ou des clercs, on les appelle comme ça. On peut trouver aussi le titre de commis. Les secrétaires du roi sont des personnages assez puissants. Ils sont dans les sommets des fortunes bourgeoises, issus de milieux marchands ou financiers. La fonction de notaire et secrétaire du roi, elle sert un petit peu comme porte d'entrée, justement, vers une carrière administrative, si on peut parler comme ça, même si à l'époque on ne l'entendait pas de cette façon-là. Ça permettait d'entrer au service du roi. Et donc, à partir de là, de rencontrer des gens qui étaient plus ou moins influents et de rentrer à leur service, de se faire un réseau de ce qu'on appelle un peu un réseau de clientèle, de se trouver des protecteurs. Ils font beaucoup d'activités de finance. C'est ça leur véritable raison d'être, en fait. La réussite et la richesse se convertit en noblesse, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que ces gens-là abandonnent leurs affaires. Mais ils les font plus discrètement, puisqu'un noble n'est pas supposé travailler. L'intérêt de posséder ces terres, c'est au moins d'ancrer dans le sol, si on peut dire comme ça, la noblesse qu'ils ont acquise par les offices. Parmi les plus connus, il y a Gilles Berthelot avec Hazel Rideau. Lui était notaire et secrétaire du roi dès le début des années 1490, charge qu'il avait héritée de son père. On a également Thomas Boyer, notaire et secrétaire du roi, qui lui a fait construire Chenonceau. On a aussi Philibert Babou, un peu moins connu, qui est notaire et secrétaire du roi au début du XVIe siècle, qui a fait construire le château de la Bourdaisière. Donc ils sont plusieurs à avoir établi leur petit château en Touraine, et dans le Val-de-Loire plus généralement. Jean Breton, on sait qu'il avait trois propriétés majeures, quatre même. Il a eu sa première, celle de Villandry. Il a eu ensuite une propriété à Souancé-aux-Perches, qui était une baronnie. Il a eu effectivement Ville-Savin dans les années 1520. On sait que la fin de la construction s'est arrêtée en 1537. La date est marquée sur l'architecture du château. Et puis il a fait construire, bien évidemment, l'actuel château de Villandry, qui à l'époque était la châtellenie de Colombier. Ça a changé de nom au cours du XVIIe siècle. Alors pour devenir secrétaire royal, il y a deux possibilités. Soit effectivement on achète la charge, soit on en hérite. C'est un office qui se vend, un office vénal, selon la terminologie de l'époque. Et ça, seuls des bons marchands, des financiers, achètent cette charge qui leur donne la noblesse. En l'occurrence, pour Jean Breton, on pense qu'il a plutôt acheté sa charge. Jean Breton, il serait originaire du notariat orléanais et son père était notaire à Orléans. Et c'est probablement grâce à l'aide financière du père qu'il a pu s'acheter une charge et rentrer ainsi en tant que secrétaire royal. Par la suite, dans sa carrière, il va devenir secrétaire, comme on dit, signante en finance. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il avait une fonction qui était directement rattachée aux finances royales. On en vient à parler alors justement de la particule. On dit Jean Breton ou Jean le Breton? Oui, alors, débat. Gros débat d'historien. Gros débat. Alors, je sais pas s'il y a eu vraiment un débat dessus, mais c'est vrai qu'on trouve entre Jean Breton, Jean le Breton. Traditionnellement, on rencontre Jean le Breton. Non, c'est Jean Breton. C'est Jean Breton. Tu es catégorique, alors, c'est catégorique, Jean Breton. D'accord. Voilà, je ne suis pas le seul, hein. Il y a d'autres historiens qui... c'est Jean Breton. Pour la simple et bonne raison, quand on lit les documents qu'il a signés, les lettres qu'il a écrites, c'est Jean Breton. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'ai cru remarquer qu'il avait deux signatures, une signature officielle et une signature personnelle. Mais à aucun moment, il y a la particule de le. La particule le Breton apparaît bien après, alors? Alors, elle apparaît après Jean Breton. C'est probablement ses descendants qui commencent à adopter la particule « le » et non pas « de ». Très certainement pour ancrer dans une dynastie familiale la réussite du patriarche, ce que l'on voit notamment dans d'autres cas familiaux.